Et youyou mes chatons, bienvenue chez la Caramella Family en ce lundi 24 juin, il est exactement 11h et j'ouvre le vlog numéro 249. Alors c'est parti, on y va, top départ. Alors attention, c'est parti. Bienvenue à tous en ce lundi, j'espère que vous allez bien. Eh oui, début de semaine, bon courage à tous. Si vous travaillez aujourd'hui, voilà, mon kidou est parti à 7h moins le quart. J'ai un coup de chaud les gars, ça y est, l'été est là, on a trop chaud. Enfin, on ne va pas se plaindre. Un petit peu de soleil, ça fait du bien. Il fait beau au moins jusqu'à mercredi. Nous avons de la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui un make-up estival. Regardez ça. Et si vous regardez bien, il y a des paillettes. J'ai rajouté des paillettes sur les paupières. Voilà mes chatons, j'ai essayé un nouveau petit blush tint, j'adore, je vais me racheter d'autres couleurs, ça c'est sûr, je vais me racheter d'autres couleurs, je vais plus avoir de place dans mon coin make-up, mais tant pis, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'ai chaud. Je vais me mettre à jour dans mes commentaires. Je me demandais, cette nuit, à cause des douleurs, j'essayais de réfléchir pour ma chaîne, revoir l'organisation des vidéos. Je sais que certaines personnes adorent les promotions Lidl et Aldi, mais je pense les intégrer, par exemple, lundi, dans les vlogs. Voilà, de temps en temps, quand je regarde des promos, bah, vous montrez l'écran. Voilà, et plus faire de vidéos catalogue. Ouais, je sais pas. Par exemple, le lundi, je mets le retour de course. Le mardi, le vlog. Le mercredi, un haul ou autre. Le jeudi, le vlog. Le vendredi, un haul ou autre ou un make-up. Le samedi, un vlog. Et le dimanche, rien du tout. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais réfléchir à ça parce que, bon, c'est vrai que je suis comme beaucoup de petites youtubeuses. Ma chaîne a 10 ans. Attendez, ouf. Ma chaîne a 10 ans et mes statistiques ont descendu de 75%. Niveau vues, niveau abonnement, YouTube vous le montre bien. Du coup, je suis moins en avant par YouTube. J'y étais déjà pas du tout, donc ça ne s'arrange pas. Et donc, ouais, parce que c'est énormément de travail. Hein. Moi, je faisais une vidéo par jour. Et puis, ce sont des vlogs. Donc, c'est des heures et des heures de travail. Le soir, l'après-midi, au lieu de sortir, au lieu de m'aérer et tout et tout. Alors, je suis très contente. Hein. C'est une question que je me pose, voilà, comme beaucoup de petites youtubeuses. J'avais déjà fait une pause d'un an. Et puis j'étais revenue parce que ça me manquait trop. Donc à suivre. Peut-être revoir la réorganisation de mes vidéos, voilà. Pour déjà avoir... parce que les vidéos catalogue, promo, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Il faut filmer l'écran de l'ordinateur avec un logiciel spécifique. Il faut faire le montage. Lidl, maintenant, il y a deux catalogues. Donc, ça fait trois catalogues par semaine. Donc, ça me fait beaucoup... J'ai même plus que 7 vidéos par semaine. Hein. Ça m'en fait 8. 8 vidéos par semaine, j'ai plus d'une vidéo par jour. Donc voilà. Hein, parce que Lidl, maintenant, il y a deux catalogues. Double travail. Donc, voilà. Même s'il y en a qui se moquent, ouais, c'est pas du travail. Si, si, si. C'est pratiquement du bénévolat, hein, mais que j'adore. Mais bon, je me remets en question. Voilà, mes chatons. Il faut se remettre en question, de toute façon. Sinon, ça n'avance pas. Donc, vous verrez peut-être qu'il y aura du changement sur ma chaîne. Un petit changement à suivre. Voilà, voilà. Allez, je vais mettre vite sur les réseaux sociaux. Et puis après, on petit déjeunera et je vous montrerai mon make-up. Pourquoi je suis prête? Parce que si vous m'avez suivi dans d'autres vlogs, eh ben, je vais aller chez Afflelou, enfin,
Pour mes lunettes, le verre a été taillé trop petit, il bouge. Du coup, comme c'est des progressifs, ben, je ne vois pas bien. Bref, au prix où on, coûte, où on paye les verres, les montures, non, parce que j'ai pris les moins chers du rayon, mais au prix où on, coûte les, où, paye les, où on paye les verres, je vais y arriver, eh ben, je ne vais pas leur faire de cadeau. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, bon courage, à tout à l'heure. Ça me super. Allez mes chatons, il est midi. Et bien sur ce, je vais me restaurer. Petit déjeuner sucré, vous me connaissez. Donc des pruneaux, un yaourt à Activia à la framboise. Non, ou à la vanille? Non, vanille. Un kiwi, deux petits gâteaux princes d'ailleurs que je vous conseille à 10 000%. Les petits gâteaux goût chocolat de la marque Repère Leclerc. Ils sont tout aussi bons que les princes. Et puis je vais finir le pain avec de la confiture de Mirabelle, bonne maman, excellent appétit. J'ai fini de petit déjeuner, mes chatons. Donc, je vais vous montrer un petit coup ce que j'ai mis en make-up sur les yeux, etc. Sur la tête, j'ai un petit serre-tête, comme ceci, trop beau, que j'ai eu sur Timou. Je l'adore, franchement, je l'adore. Bon, là, il est mal mis, hein, je pense. Voilà, et en chaussures, eh ben, je vais mettre des petites chaussures que j'avais eues au soutien actif, lutte contre le cancer. Ouh, j'ai failli tomber. Comme ceci, avec des petits strass, j'adore. Je les avais payées entre 1 et 3 euros, grand maximum. Allez, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Alors, n'assumant pas mes jambes, j'ai quand même mis un legging, même si la robe que j'ai mis est assez longue. Voilà, hop. J'ai mis une petite tunique de chez CEA que j'avais eu à 4,99€, quelque chose comme ça. Et un petit legging avec des petits boutons sur le côté que j'ai eu à 3€. Oui, ils les ont augmenté, je crois. 3€ et quelques. 3,99€ chez Leclerc. Voilà. Mon collier est un joli collier avec des petites billes de cristal que j'avais eu chez Nose. Voilà mes chatons. Il va faire super beau, donc j'en ai profité pour mettre une tunique. Les boucles d'oreilles, c'est du AliExpress. Voilà. Le collier, je vous le montre un peu plus près, comme ceci. C'est du Nose avec des petites perles de verre, de cristal. Il est trop beau. Enfin, c'est même pas un collier, c'est un sautoir. Ensuite, j'ai mis une petite montre de chez Vinted. Une petite bague que j'avais eu à 75 centimes en acier inoxydable comme ceci chez Nose. Voilà. En maquillage, j'ai ma caméra qui n'arrête pas de bouger. J'ai mis des couleurs assez vives. Voilà, j'ai utilisé mes fards individuels et j'ai mis des petites paillettes, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà mes chatons, j'adore, là je suis sur Timou en train de regarder, ça ne bouge plus, regardez, voilà. C'est des blush tint, un petit highlighter bleu, là en poudre, parce qu'il faut quand même que je les utilise. Voilà mes chatons, mon make-up. Vous remontre. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, en premier lieu, j'ai mis mon primer Max & More que j'essaie de terminer. Voilà. Je l'adore. J'ai pas mis de bébé crème. Hein. J'ai mis également mon fixateur biface de chez Action. À 2,19€. Ça, c'est 1,29€, il me semble, le primer. Mon mascara, j'ai mis toujours en pédaillère ma base de mascara d'AliExpress, 1,89€. J'ai mis sur les cils du haut mon Miss Porty Studio Flash à 2,49€ de chez Action. Et j'ai mis un mascara bleu, ça doit être celui-ci. Le Curl Lasting 24 heures, longue tenue 24 heures de chez Timou, dans les 2,89€, quelque chose comme ça, et je l'adore sur les cils du bas. Ensuite, pour les creux de banane des yeux et les sourcils, toujours mon Eyebrow Kit de chez Action, qui se termine doucement mais sûrement. En rouge à lèvres de chez Timou,
le Fit Colors tirouge à lèvres liquide mat comme ceci. C'est le 02. Il est tout petit, hein. Ça doit faire que quelques grammes. Je crois que c'est 3 grammes, mais je l'adore. En parfum, un autre parfum, Flowery Raid de chez Anna Blondie. Ça, c'est chez Action. C'était offert par une abonnée. Encore merci, je l'adore. Et ma soeur se l'est acheté. Pour faire l'highlight au-dessous du sourcil, toujours la palette Mickey de chez Action. Et pour faire le petit point de lumière aussi au creux des yeux. Ensuite, en fard à paupières, j'ai utilisé un fard à paupières de chez Neve Cosmetics. Hop, celui-ci, comme la semaine dernière, je l'adore. Hop, il est comme ça, il a des petits reflets dorés, un petit multichrome léger, très joli pour l'été, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, très bonne qualité de palette. Ça, c'est une blush, une palette que j'ai dépotée. Neve Cosmetics, n'hésitez pas à vous pencher sur cette marque. On n'en entend plus parler, c'est dommage. On entend parler toujours des mêmes articles. D'ailleurs, ça saoule, hein, à force. Hein. Toujours les mêmes hauls, les mêmes crash tests et tout et tout. Ouf. Et ensuite, j'ai utilisé mon Paint Pot pour faire tenir mes fards, Dirty Works pour le concealer, j'ai pas mis de bébé crème, hein. J'ai mis de la poudre, Idyl 1,50€ de chez Nose, hop, qui se termine sûrement. Voilà, ensuite un highlighter bleu de chez Technique, 1,49€ de chez Nose. Je l'adore. Regardez cet highlighter. Il est trop joli. Même sur les yeux, c'est joli. C'est pour ça que je les garde d'ailleurs, mes highlighters. En blush, j'ai mis un blush de chez Sung. Comme ceci. Deux en un. C'est elliptic. C'est pour les lèvres et les joues. Un Water Jelly Tint Stick. En fait, c'est de la gelée. C'est de la gelée teintée. Et alors, je mets carrément mon pinceau dessus et après, ça vient teinter doucement les joues. Vous voyez, vous faites ça, ça fond sous le doigt. C'est bizarre, hein. Vraiment, ça fond et ça ne bouge plus après. Oh là là, je m'en suis mis partout. Voilà, vous voyez, regardez, voilà, ça teinte, ça bouge plus. J'irai me laver les mains, mais je vais avoir les traces très longtemps. Voilà, regardez. Alors, sur les lèvres, ça bouge pas. Sur les joues, ça bouge pas, il faut faire très vite, mais alors ça s'estompe comme un bonheur, c'est génial. Voilà mes chatons. Et pour les petites paillettes, eh ben, j'ai utilisé ceci. Alors attendez, faut que je trouve le bon. Celui-ci, un petit gel à paillettes de chez Timou, de la marque Gécomo. Il y a 2,5 g. C'est un petit liner, moi je l'ai mis sur toute la paupière mobile et j'adore. Et le petit crayon bleu, bah, toujours Timou. De chez Davis, je l'adore. Waterproof Protection, il est génial. Et c'est le 03. Voilà. Franchement, Timou, là je suis en train de faire encore une sélection. Regardez, ça ne part pas. Vous avez vu, ça n'a pas fait de traces, rien. Ça tient super bien. J'aime beaucoup, vraiment. Le blush, regardez. C'est fait naturel. Et ça ne bouge plus. Ça teinte littéralement les joues. Vous voyez, ça s'estompe bien quand même. Je l'ai fait directement au pinceau et c'est génial. Franchement, moi, ouais. Faut que j'arrête de regarder Timou. Hein. Je vais me ruiner. Allez, je vais me remettre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis obligée de mettre ces lunettes-là. C'est pas mes préférées. De toute façon, on va chez Afflelou cet après-midi. Et il fait super beau et une chaleur. Je crois qu'il fait... Attendez, je vais vous lire ça. Il fait combien? Hop, petit rouge à lèvres, toc. Je fais jamais de retouches, mais bon, j'aime bien l'avoir dans mon sac à main. Il fait combien? Il fait déjà 25 à l'ombre. Donc au soleil, ça va taper. Hein. Et il n'est que midi et demi. Donc je pense qu'on va atteindre les 30 degrés au soleil, hein, largement. Mais. Et il n'y a pas beaucoup de vent. Ce serait bien qu'il y ait un peu de vent. Bon, enfin, on va pas se plaindre. C'est l'été.
un peu de soleil, ça fait du bien. D'ailleurs, en parlant de ça, hier on est allé au lac une zone où on ne vous a jamais emmené. C'est tout petit, franchement, mais c'est trop sympa. Et puis on est resté 2 heures et puis on est parti. Il y a toujours un groupe de chiens. Et alors, ils étaient bruyants, mais bruyants. Et tout le monde était là pour jouer avec son enfant, parce qu'il y avait des parcs de jeux pour les enfants et tout. Et tout le monde les regardait, ils hurlaient et tout. C'était des adultes avec des enfants. Mais alors, à un moment, on est parti avec mon kidou, parce que c'était l'horreur, on n'entendait pas la nature. Y a même des gens qui sont partis en même temps que nous et tout. On peut s'amuser, mais quand même. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez voir mieux les petites paillettes ? Je saute du coq à l'âne. Et puis après, bon, on est rentré tranquillement. Mais on s'est pris un petit peu de soleil, là, ça a fait du bien. Vraiment, ça a fait du bien au moral, réellement. Bon, on va essayer de retirer tout ça. Ça ne bouge plus. Mon blush, il ne va pas bouger de la journée. Il faut retirer avec de l'huile ou un produit biphasé pour waterproof. Hein. Mais c'est génial, d'ailleurs, je suis en train de prendre toutes les teintes. Là, j'en ai sélectionné. Ouais, je les ai payés un peu plus. Je l'ai payé un peu plus de 2 euros, hein. C'est tout. Le tint pour les joues. Et c'est la même chose que Bar Minéral ou non. Benefit, je crois, qui fait ça. Et Benefit, je crois que c'est plus de 20 euros, hein. Donc, n'hésitez pas. Et tout est fait en Chine, de toute façon. Ils s'en mettent plein les poches, les marques, hein, c'est tout. Hein, mais quand on regarde, c'est Made in China, etc. Hein. Donc, ça vient de la même usine. Bref, je n'en dis pas plus. Allez, je vous remercie pour tous vos doux commentaires, mes chatons. Vous avez adoré mon retour de course, mon dernier vlog et tout et tout. Et je vous dis, alors est-ce que je vais faire les promotions Lidl ou quoi? Non, on les regardera ensemble en vidéo. Oui, je vais allumer mon ordinateur et on les regardera ensemble et comme ça ce sera mieux. Voilà mes chatons. Donc exceptionnellement, ce lundi, j'ai mal. Il n'y aura pas de vidéo Lidl. Je les intégrerai maintenant, les catalogues, dans mes vlogs. Quand je les regarderai, je regarderai avec vous. Voilà, à tout à l'heure. Il fait noir, j'ai fermé niveau balcon. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la moustiquaire cuisine. C'est pareil. Et dans les chambres, j'ai tout fermé parce qu'il va faire chaud dehors. Voilà, je vais vous montrer un petit coup ma tenue complète. Hop. Voilà. Voilà mes chatons. Avec mes petites chaussures. Tout de strass vêtu. On adore. Voilà. Et oui, je sais, mais je ne peux pas sortir sans mon legging, mes chatons. Allez, je vous emmène avec moi. Il est 2h moins le quart, je suis prête, voilà. J'emmène donc mes lunettes chez Afflelou. Et puis après, on verra bien en fonction de l'heure, combien de temps je mets pour traverser la ville, parce que là, je traverse la ville, et si je trouve de la place au centre-ville. C'est parti. Et puis, je ne sais pas, nos actions, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire... Ouais, on verra bien. Ma sœurette, elle est toujours dans son déménagement. Donc, ça m'étonnerait qu'elle sorte. Allez, c'est parti. On se retrouve dans la voiture au centre-ville, garée au plus près d'Afflelou. Mes chatons, j'ai trouvé de la place. Je suis en plein centre-ville, comme vous pouvez voir. Hop, à 2 pas de chez Afflelou. Nickel, une place handicapée en plein centre-ville. Si vous repérez, si vous reconnaissez les Troyens, voilà. Allez, c'est parti, je vais chez Afflelou. Il est 14h05, à tout à l'heure. Eh bien, mes chatons, ça y est, c'est fini. Voilà, j'ai mis 10 minutes. Mon verre avait bien encore tourné et n'était pas fixé dans la lunette. Du coup, elle a chauffé un peu la lunette. Voilà, et puis elle a fixé le verre et remis le verre correctement droit. Donc, mes verres n'étaient pas métables du coup. Attendez, vous avez une tache sur le nez. Voilà, du coup, ça devrait plus bouger. A priori, ah, on va croiser les doigts. Il fait 38, hein, 38 au soleil. Si, si, 38 au soleil. Voilà, mes chatons. Eh ben, pour moi, il fait trop chaud. Donc, on va rentrer.
Et puis, je sais pas où aller. Hein. Au lac toute seule, non. Parce que sinon, on se fait tout le temps emmerder, donc c'est pas la peine. Quand on est une fille toute seule. C'est vrai, hein, de toute façon. J'ai déjà testé, vous inquiétez pas. Et puis, moi, 38, non. 38 au soleil, c'est mort. Du coup, on va rentrer. Et puis, j'ai deux petites vidéos à faire. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Allez, à tout de suite dans l'appartement. Donc voilà mes nouvelles petites lunettes. Bon, ça bouge encore un peu. Hein. Mais ça devrait aller. D'ailleurs, j'ai fait un essai. J'ai essuyé mes lunettes parce que, bon, j'aime bien venir, mais quand même. Hein. Et puis, c'est impeccable. Allez. Bon, là, on va essayer de ressortir. Il y a des travaux plein la ville. À tout de suite. Et ben me voilà de retour. Et c'est tant mieux. Il est exactement 15h moins le quart. Je vais boire un coup, poser un coup mon dos. Et puis ensuite, je vais regarder un petit coup ce qu'ils proposent en catalogue Lidl. Ouais, ce serait pas mal ça. Vite fait, bien fait. Et puis tout compte fait, je vais pas faire des vidéos aujourd'hui. Je les ferai demain. Demain, je ne sors pas. Je les ferai fraîchement. Voilà, parce que là, j'ai eu chaud et je déteste transpirer. Je suis allée dans la salle de bain, je me suis lavée et tout, et j'ai mis ma petite tenue de maison sans leggings. Allez, on va boire un coup, un verre d'eau bien frais, et ça va bien passer. J'adore ça, l'eau, j'adore ça. Pour l'instant, mes chatons, ben, je vais retirer mon vernis de pied, parce qu'il est plus très beau. Il est un petit peu écaillé, donc c'est pas très beau. Donc j'utilise du dissolvant sans acétone de la marque Action. C'est le Care, Nail Care, voilà, sans acétone, classique, il y a combien ? 250 ml, j'en ai un d'avance. Oh. Pour les vernis un petit peu pailletés et tout, il n'est pas assez fort, hein. Il faut prendre du vernis pour semi-permanent. Je vous conseille sur ce, le dissolvant pour semi-permanent et paillettes de la marque Repère Leclerc. Comme ça, pas cher du tout, dans les 2 euros et quelques, je l'adore. Mais là, pour les pieds, ça va être suffisant. Et puis, on remettra du vernis. Alors, pour mes ongles des pieds, je vais prendre de chez Loro. Voilà, c'est espagnol. Je l'avais eu chez Nose, quelques dizaines de centimes. Hein, c'est le 0,2. C'est une basse coat, top coat, transparente. Voilà, je vais mettre ça en première couche. Et en deuxième couche, un Kiko, comme ceci. C'est le 505. Un petit rose avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, vous voyez bien. Voilà mes chatons. Trop joli. Le 505 de chez Kiko. Il est tout neuf. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Et après, on se fera les cuticules. Des mains, parce qu'il y en a besoin. Voilà tout mon matériel. Alors, des pinces à ongles, des limes, des repousses cuticules. Bref, la totale. Pour les ongles qui sont d'une laideur, mais quand il y aura les cuticules de repousser, ça fera déjà moins moche. Allez, pour l'instant, on essaie de se peinturlurer les doigts de pied. Voilà, mes ongles des pieds sont faits dans une petite teinte rose bonbon. Voilà mes chatons, plus ou moins bien fait. Oui, bébé, on voit pas trop les paillettes, mais bon. C'est pas grave, on est reparti pour un tour. Allez, cette fois-ci, les cuticules. On va essayer de ne pas pisser trop des cuticules, parce que moi, des fois, je suis tellement brute que je me fais pisser tous les doigts. Et je viens d'allumer les petites promotions Lidl. Alors, quoi de neuf? On verra ça après. J'ai fait mes cuticules, mes chatons. Oh, allez, on va dire, j'ai deux doigts qui pissent le sang. Et oui, j'ai encore appuyé comme une brutasse. Sur mon coupe cuticule. Voilà, mais ça c'est fait. Voilà, j'aurais plus qu'à mettre un petit vernis léger, semi-permanent et roule nénette. Voilà. Hop. On verra ça demain ou pas. Là, on va regarder les catalogues Lidl ensemble. Vous savez, vite fait, je ne vais pas faire autant développer. Hein. Hop. Zou. Comme ceci. Allez. J'installe avec vous. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? C'est parti, on va regarder ça. Ça vous dit? Ouais, allez, j'intègre ça dans les vlogs, c'est plus sympatoche. Vous savez quoi? Comme mon ordinateur est allumé, et qu'il n'a pas l'air de trop ramer, on croise les doigts, et ben, je vais monter une petite vidéo friperie.
Qu'est-ce que vous en pensez? Il est 16h, jusqu'à 17h30, et puis après j'arrêterai et je la finirai ultérieurement. Ouais, on fait ça. Allez, c'est parti. Je voulais me faire les jambes, mais là, 16h, non, on verra ça demain, tranquille. Demain, il prévoit encore une canicule, et je pense plus sortir mercredi, comme je vous disais, pour aller, ah oui d'ailleurs, à Lidl, et pour aller voir si je trouve à Leclerc aussi des t-shirts pour mon kidou et tout, et chez Gémeaux, des chaussures pour mon kidou. Oh, on va faire ça. Demain, on sort, mercredi, on sortira, et demain, je ferai deux vidéos Timou. Oui, encore, je sais. Et puis, je ferai peut-être mes mollets, je verrai. Mais déjà, deux vidéos Timou. Et puis, je ferai du montage aussi pour ce vlog, bien sûr. Et puis, je continuerai le montage vidéo de ce que je vais faire là. C'est la friperie. Allez, c'est parti. Un petit peu de travail, non, mes caramelas. Aujourd'hui, tu n'as pas fait grand-chose. Chaton, je sors de la salle de bain, j'ai encore ma griotte à faire. Je suis en train de préparer un petit repas japonais. Dis-donc la mouchette, pas dans la salade. Voilà, chinois, avec un petit peu de salade verte, une vinaigrette maison. On va manger chacun notre yaourt Kidou Activia à la framboise et moi Activia au citron. Hop, là ce sont les petites sauces chinoises. Et là, hop, ce qui est en train de... qui est cuit. Et ben, ce sont des samoussas et des nems. Voilà. C'était de la marque Repère Leclerc. Hein, voilà. Table du monde, Repère Leclerc. C'était en promotion. Et ça, avec une petite salade, ça passe nickel pour le soir. Bon, il fait un peu chaud avec le four, certes. Bon, enfin, je l'ai allumé 10 minutes. Ça va. Excellent appétit. Et après, je m'occupe de Criotine. Je l'appelle Criotine en ce moment. Bon mardi matin, chaton, il est exactement 11h, je prenais le temps de me maquiller. Franchement, j'adore. Ce qui fait le plus beau sur des yeux verts comme ça, et ben, le bronze doré, bronze chaud, bronze froid, j'adore, franchement. Voilà, j'ai pris le temps de me maquiller, comme tous les matins maintenant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? J'ai une lessive à détendre et à ranger, mais ce ne sera pas ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est de monter ce vlog et filmer des hauls Timou, là. Voilà, parce que ça fait un moment que c'est entassé dans ma salle à manger. Et comme ça, je pourrai ranger mes affaires. Voilà mes chatons. Sinon, là pour l'instant... Côté nord, ça y est, c'est fermé, parce qu'il prévoit encore 30 degrés, ouais, 30 degrés à l'ombre. Donc, ça y est, le soleil était côté nord, donc j'ai fermé, et pour l'instant, je laisse rentrer l'air frais côté sud. Voilà mes chatons, pour pas que ma petite griotte ait trop chaud, et nous non plus d'ailleurs. Il fait combien? Il fait déjà 24 dans l'appartement, et pourtant, tout va être fermé. Regardez les jolies fraises que mon Kidou a cueillies ce matin. Je mangerai ça tout à l'heure au petit déjeuner à midi. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux pour voir si j'ai des commentaires. Et puis ensuite, on se retrouvera pour le petit déjeuner, comme d'habitude. Oui, je sais, comme d'habitude. Chaton, je viens de détendre et ranger ma lessive. Comme ça, ça fait plus de place quand je vais faire mes vidéos. Voilà, et j'ai même vu... D'ailleurs, j'ai de la couture à faire sur un jean à mon Kidou parce qu'il y a un ourlet qui est défait. J'ai allumé mon ordinateur pour travailler ce soir. Donc la lessive, elle est rangée. Voilà. J'ai été mettre un petit peu de mascara sur les yeux. Voilà, comme ceci. C'est vrai que c'est joli, hein, bronze. Le temps de petit déjeuner, hop, on va laisser encore ouvert ce côté-ci. Et sinon, tout est fermé. Voilà. Tout est dans le noir. La cuisine est dans le noir. Parce qu'on est côté sud, et je vous assure que ça fait chaud. C'est pour ça que j'ai mis sur toutes mes fenêtres côté sud, des fenêtres occultantes, anti-froid, anti-chaleur. C'était 49 euros le rideau, mais franchement, c'est efficace. Hein. Allez, je prépare mon petit déjeuner, il est midi moins 3, et je vous dis bon appétit, à tout à l'heure. Je suis en train d'installer mes chatons, il va être 13h, même pas. Ma salle de filmage, voilà, avec
une lampe que j'avais mis normalement dans ma salle à manger, mais elle est cassée. Du coup, je m'en sers pour YouTube. Voilà. Hop. Voilà mes chatons. Comme ceci. Ma petite table que j'avais eue, je sais plus. Je sais plus où. Jiffy, il me semble. Un petit tabouret. Voilà mes chatons. Hop. Je l'avais eu à Ikea. Sur Dijon, quand j'avais été opérée du dos, il y a 2 ans. Voilà. Donc, je vais changer de carte. Donc, je vais être obligée de vous débrancher. Et puis, je vais filmer mes petits halls Temu. Mon ordinateur est allumé pour le travail ensuite de montage qui se fera ultérieurement dans les jours à venir. Voilà mes chatons. Je vais couper le ventilateur parce que là, il n'y aura personne dans la salle à manger. Donc, je retire la carte, je vous débranche mes chatons, je remets une carte neuve pour les halls et puis je vous dis en fin de journée. Désolée, rien d'extraordinaire à vous filmer mon travail YouTube. Voilà, ma chaîne de... Ma petite pièce qui est maintenant bien libre, voilà, où je peux me remettre, et ça c'est quand même bien sympathique, et le fond est quand même plus sympa, n'est-ce pas? Voilà mes chatons. Allez, c'est parti, au boulot caramella. J'ai même des essayages de pyjama, etc. à faire, donc je m'y attelle avant qu'il fasse trop chaud. Ouf, et ben mes chatons, ça y est. Je sais pas quelle heure il est. Il est 15h. J'en peux plus, j'ai fait des vidéos. J'en ai fait 2. Et voilà, je viens de tout ranger. Voilà, comme si rien n'était. Avec 2 vidéos essayages, j'ai trop mal partout. Je vais reposer un petit peu mon dos et mon épaule. Et ensuite, va falloir que je m'attelle à travailler. Donc, je vais ouvrir tous mes logiciels de montage. Et puis, je clôturerai tranquillement, mais sûrement, ce vlog qui, j'espère, vous plaira. À tout à l'heure. Mes chatons, 16h30. Je vais clôturer le vlog là et m'atteler à travailler sur mon ordinateur. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec vos petits likes. Et puis, si vous voulez me faire un grand plaisir, et ben c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et la petite cloche du haut pour ne pas rater mes futures vidéos, futurs vlogs, recettes, hauls, etc. Moi, je vous embrasse fort. Faites attention à vous, à vos proches. Et puis, à très vite avec un nouveau vlog. Merci tout plein et merci de votre soutien. Gros bisous, mes chatons.